Le salut aux couleurs de retour à l'école depuis le début de l'année scolaire 2013-2014. Après plus de 10 ans, l'Abidjanaise est de nouveau imposée aux élèves du primaire et du secondaire tous les lundis matins dès 7h pour la montée du drapeau et les vendredis à 16h pour la descente. 5 couplets conclus par 2 refrains alternés. Un exercice bien difficile pour certains élèves. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Fier et j'en remplis de voyance, abattiront dans le bonheur. Du fil à retordre également pour les plus petits qui tiennent pourtant à accomplir l'acte civique. Le salut aux couleurs à l'école, un acte patriotique sur lequel s'accordent les acteurs du système éducatif. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, véritablement, ça a des mots très profonds. Donc il est important que les élèves sachent la signification des mots. Ce sont les futurs cadres du pays. Et donc il faut leur apprendre certaines vertus cardinales de la vie. Voir son enfant chanter l'hymne national, ça dit que l'enfant est un citoyen vraiment de demain et que celui-là peut vraiment représenter le pays partout et défendre les couleurs de la nation. Le texte original de l'Abidjanaise est de Pierre-Marie Coty avec une adaptation du ministre Mathieu Vanga-Ekra. La musique, elle, a été composée par l'abbé Pierre-Michel Pango.